Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le tweak Quick Power Done. Ce tweak est disponible gratuitement sur la source de Modmi. Une fois installé et relancé le Springboard, vous aurez une nouvelle sélection dans l'application Réglage. Donc si je rentre dans Réglage et je descends légèrement, on peut voir la sélection Quick Power Done. Ce tweak, qu'est-ce qui vous permet de faire? Tout simplement de changer la fonction de votre bouton Power ici. Lorsque j'appuie, donc on peut voir cette petite barre éteindre. Donc si je slide, j'éteins mon appareil. Et bien ce tweak va vous permettre en cochant Enable pour l'activer et dans Sélection Action, vous allez pouvoir changer leur fonction. Donc Power Off, si je reste appuyé, il va s'éteindre automatiquement. Vous n'aurez plus le petit slide éteint. Si je fais un reboot, il va redémarrer. Si je fais un respring, il va faire un respring et un safe mode, il va se mettre, je sais pas comment on peut traduire ça. Je vais vous faire une petite démo déjà avec respring. Donc j'ai coché respring, je vais rester appuyé sur le bouton. On va voir que mon appareil va. Vous pouvez voir la petite roue du respring. De ce tweak, je pense qu'il doit être idéal si vous avez un jailbreak. Turntable, comme ça, si vous par exemple vous prêtez un ami et qui essaye de l'éteindre, et ben il va tout le temps faire un respring, donc vous n'aurez pas besoin de votre ordi pour allumer votre appareil. Si je retourne dans la sélection et je vais vous montrer le safe mode, donc je vais rester appuyé. Voilà. On peut voir que Kevin n'apparaît plus, donc tous les tweaks se sont désactivés. Il suffit tout simplement d'appuyer sur Restart si vous voulez que tous vos tweaks, se réactivent. Donc voilà, c'était la présentation du tweak Quick Power Done. Il est disponible, je rappelle, gratuitement sur la source de Modmi. N'oubliez pas de visiter notre site internet eTweakJailbreak.com, de nous suivre sur Twitter eTweakJailbreak, d'aimer notre page Facebook eTweakJailbreak officielle et de vous abonner à ma chaîne de YouTube pour pouvoir être informé dès que je vais sortir une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao!